Il restaure une coupole en briques ou réalise un pendentif, truelle à la main. Tous ces jeunes sont en stage d'une dizaine de jours. Leur mission, restaurer la poudrière Saint-Georges de la citadelle de Lille. Une aventure qui a été possible grâce à l'association CHAM, Chantier Histoire et Architecture Médiévale. Encadrés par des professionnels, ces apprentis maçons veulent redonner des couleurs au patrimoine français. Ces bénévoles ont tous des profils différents, mais ont à cœur de participer collectivement à cette restauration dont tout le monde pourra bientôt bénéficier. Mathilde Espinasse en a rencontré quelques-uns pour nous. Je suis en histoire de l'art. J'aurais aimé avoir une formation réellement sur le terrain et participer un peu à un chantier de patrimoine. Et dans le cadre de l'association, ça me permettait donc pendant 12 jours de participer à un chantier. Pour moi, c'est une manière de participer activement à la sauvegarde du patrimoine, concrètement. Et voilà, de rendre mes vacances utiles. Voilà, pour moi, c'est important voilà, de mettre en valeur le patrimoine et de participer à sa sauvegarde.